voir. C'est rare effectivement de voir au cadre de notre système sécuritaire s'exprimer ainsi. Aujourd'hui, il est le parrain de cette première promotion. C'est en cette qualité qu'il a voulu inculquer des valeurs que devraient refléter ces 25 officiers supérieurs. Et là, il remet à chacun un cadeau spécial. Voilà, il a donné au chef de promotion, c'était annoncé comme cela par la promotion, le chef de promotion qui a reçu chanter l'hymne de l'école et réciter leur devise. Vous plaisez déjà. Leur devise qui est faire briller les forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois que toutes les informations que nous avons suivies dans les différents discours sont bien tombées dans leurs oreilles et qu'ils vont s'activer à les mettre en œuvre pour que cette formation se justifie sur le terrain à leur future affectation. Ils se verront donc suivis de près et pour créer de l'émulation, mais aussi susciter en d'autres éléments de forces armées de la République démocratique du Congo le souci de participer à cette formation d'unité, à cette formation dont les lauréats sont le produit d'un concours rigoureux qui a été organisé par les forces armées. Monsieur le ministre de la Défense nationale, des anciens combattants, pour ce mot de clôture de l'année académique 2020-2021. Voilà les qualités. C'est désinfecté, non? Ministre.
ça va rester comme ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, autant pour moi. Musique garde à vous. Portez les armes. Musique, fermez les bancs. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême des Forces armées et de la Police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Monsieur l'honorable président du Sénat, honorable député sénateur, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la France, Monsieur les attachés de défense, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs,
Mesdames et messieurs les cadres de l'école de guerre de Kinshasa, messieurs les lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est un grand honneur pour moi de saluer votre présence à cette cérémonie marquant la fin de la formation de 25 officiers de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Une cérémonie de clôture de formation est toujours un temps fort. Elle marque d'une part le début d'une aventure professionnelle pour les personnes formées et d'autre part le couronnement des efforts multiformes consentis par toutes les personnes physiques et morales qui se sont impliquées dans cette entreprise malgré le contexte général de la pandémie de la COVID-19. La formation que nous clôturons ce jour procède d'une ferme volonté de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées, l'un des soucis majeurs de notre gouvernement en général et de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en particulier. L'école de guerre est un haut lieu du savoir militaire où s'apprend notamment la méthode globale de planification opérationnelle ainsi que le processus décisionnel. Notre école de guerre a été créée et mise en service dans le contexte de la situation sécuritaire à l'est du pays, particulièrement dans les provinces sous état de siège, administrées actuellement par des gouverneurs militaires. Le contexte s'est trouvé davantage compliqué à la fois par la pandémie de la COVID-19 et les affres de l'éruption volcanique du Nyiragongo du 22 mai 2021. C'est cette complexification de la guerre à l'est de la République qui la rend riche en enseignement, comme en témoigne le rapport du voyage d'été. Effectué par la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Il a permis aux apprenants de concilier la théorie et la pratique. Par l'analyse holistique des divers paramètres de la guerre, ils ont pu réaliser que l'action décisive contre l'insécurité à l'Est nécessite une synergie de plusieurs secteurs, animés par des acteurs suffisamment préparés aux défis variés, notamment de l'insurrection et du terrorisme. C'est bien là un trait majeur de la vocation de l'école de guerre de Kinshasa, devenue partie intégrante de la constellation du système de formation du cursus de l'officier des FRDC, constellation dans laquelle l'école de guerre de Kinshasa préparera les apprenants à gérer avec compétence les questions majeures de défense et de sécurité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, permettez-moi de rappeler que notre armée disposait depuis 2016 du quatrième et ultime niveau de formation formelle, le Collège de hautes études de stratégie et de défense, en sigle CHEST. Le troisième niveau de formation des officiers supérieurs,
concepteur et planificateur des opérations du niveau opératif, manquait au tableau. Cette lacune devait nécessairement être comblée. Le commandant suprême a décidé de placer ce maillon en complétant la chaîne en créant l'école de guerre de Kinshasa, dont nous célébrons les prémices ce jour par la sortie d'un officier de la première promotion baptisée Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est aussi pour moi l'occasion de renouveler mon remerciement au gouvernement français qui a bien voulu nous accompagner dans la démarche de la création d'une école de guerre à la dimension de notre pays, mais également une institution à vocation régionale au pays de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, l'école de guerre de Kinshasa dispose d'un corps académique solide, constitué d'anciens greffés de différentes écoles de guerre et de professeurs d'université venant de tous les horizons, y compris un coopérant français en charge des enseignements. Je remercie tous les acteurs impliqués dans la matérialisation de cette vision. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, après ce tour d'horizon historique, revenons à ce qui nous rassemble chez vous. La sortie de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Présidée personnellement par Son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la présente cérémonie démontre l'attention particulière que la plus haute autorité de l'État attache à la réforme de notre outil de défense pour sa professionnalisation et sa crédibilité. Sa montée en puissance, qui constitue le credo du commandant suprême, doit conjuguer les facteurs constitutifs d'une armée moderne, à savoir des hommes et des femmes bien formés, bien équipés et moralement bien motivés. C'est pourquoi je formule les vœux les plus ardents de compétences scientifiques et surtout de bonne moralité chez les formateurs, à qui revient la noble mission de formatage des membres des forces armées en général et des officiers en particulier. Le président de la République et commandant suprême vient de remettre le brevet d'enseignement militaire supérieur aux 25 lauréats de cette première promotion, fruit d'un travail intensif. Ce qui m'ont précédé du haut de cette tribune ont décrit les conditions de sélection et d'admission, le contenu de la formation ainsi que la méthode d'évaluation. Pour ma part, je saisis maintenant l'occasion pour m'adresser aux formateurs et aux lauréats. Messieurs les encadreurs, professeurs de l'école de guerre de Kinshasa, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Je tiens particulièrement à vous féliciter et vous remercier pour les efforts que vous avez déployés en vue de la réussite de la formation de cette première promotion. Le début n'a pas été du tout facile, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles et financières. Difficultés que votre détermination et altruisme ont permis de surmonter. Je vous exhorte donc à persévérer et à pérenniser l'idéal de l'école de guerre de Kinshasa pour le plus grand bien de nos forces armées. À vous particulièrement, officiers des FRDC, encadreurs et professeurs de l'école de guerre de Kinshasa, la présente cérémonie solennelle présidée personnellement par Son Excellence Monsieur le Président de la République, illustre suffisance l'importance qu'il attache à votre rôle dans la formation d'hommes et de femmes appelés à protéger leurs compatriotes et à défendre la patrie. Sa volonté est de rénover
réformer, revitaliser notre armée pour l'élever au niveau de puissance qu'il nous faut au regard de sa mission. Mesurez donc correctement le poids de votre responsabilité dans cette entreprise patriotique. À vous, lauréat. Vous venez de recevoir vos brevets et l'insigne de l'école de guerre, des mains du président de la République, commandant suprême. C'est l'honneur que vient de vous faire la nation congolaise tout entière. Montrez-vous en digne dans l'exercice des fonctions que vous allez bientôt exercer. Je vous exhorte à entretenir l'esprit d'assiduité et d'excellence. Vous communiquez pendant votre séjour à l'école de guerre de Kinshasa. Soyez-en plus intègres et patriotes engagés. Portez l'étendard de votre école, traduisez sa devise dans les faits par une conduite exemplaire, reposant solidement sur l'éthique et la déontologie de haut cadre militaire et par un souci permanent de perfection scientifique et technique. Le parchemin qui vient de vous être remis est le couronnement d'une année académique spéciale d'effort, d'organisation et d'assiduité aux différentes activités de formation, dans un environnement stressant aux multiples contraintes, surenchéri par la crise sanitaire de la pandémie Covid-19. Vous avez bravé et tenu tête à toutes ces épreuves. Bravo. La nation est fière de vous, ce jour, après un passage honorable dans cette prestigieuse école. Mais souvenez-vous que le pays se trouve à un tournant décisif de son histoire, moment où il doit répondre aux crises et guerres qui avilissent notre peuple. La formation que vous avez reçue vous qualifie comme expert du niveau opératif. Soyez-en dignes et faites-en la preuve sur le terrain, maintenant, sans tarder. Veillez notamment au respect des droits humains et à la dignité de vos fonctions, à l'image et à l'honneur de votre icône et parrain de votre promotion. Je citais le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, dont le sens de responsabilité était inébranlable dans le combat pour la démocratie et la justice sociale, privilégiant toujours l'intérêt du peuple jusqu'à sa mort. Vous aussi, privilégiez le bien de vos hommes sous vos ordres jusqu'au sacrifice suprême. Cette école vous a donné les armes nécessaires pour vous ranger parmi l'élite de l'armée dont la RDC a besoin. Des officiers capables de penser les conflits de demain, capables de sortir des sentiers battus pour mener une réflexion originale, audacieuse et capable de forger votre destin et celui de la nation, de manière à permettre à la RDC de survivre, de se sauvegarder et enfin de dominer dans son environnement géostratégique. En sortant d'ici, des fonctions du niveau opératif vous attendent. Assumez-les avec abnégation et rappelez-vous toujours la devise de FRDC. Ne jamais trahir le combat. Ce faisant, votre parcours vous donnera la pleine mesure de vos capacités de leader. En vous souhaitant beaucoup de succès professionnel au fil de votre carrière et beaucoup de bonheur personnel, je déclare la fin de la promotion, de la formation de la promotion Étienne Tshisekedi wa Mulumba à l'école de guerre de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie.
Faites présenter les armes. Musique, fermez les mains. Musique, fermez les mains. Sont fermés, l'activité arrive à sa fin. Je disais donc que l'activité arrive à sa fin. Nous allons suivre. Voici les restes du programme de séjour. Tout à l'heure, il y aurait une séance photo devant la façade principale. Alors donc, c'est le dernier moment de cette activité. Le président de la République va prendre une photo de famille avec ses heureux lauréats. Ce sera donc pour clôturer et immortaliser ces instants. Après les séances, donc pour photo, cette première promotion, un grand honneur, mais aussi un privilège en même temps de diffuser les attentes. Signature par le président de la République. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise au livre d'or, est confronté à plusieurs. Après cocktail, derniers honneurs et fin cérémonie. Le lieu où ils sont restés de trouver une solution aux différents problèmes qui se posent à eux et à l'armée nationale. Ils ont été mis déjà à contribution pour imaginer des solutions et trouver de vrais moyens d'éradiquer complètement les forces négatives qui écrivent la patrie de la République démocratique du Congo. Ils sont précurseurs d'une école qui est donc installée en République démocratique du Congo désormais pour pérenniser cette formation. Et doter les forces armées de la République démocratique du Congo d'un personnel qualifié et compétent, surtout à mesure de répondre aux exigences, les défis auxquels la République, notre pays, est confrontée. Dans sa situation géostratégique, les exigences sont énormes et les besoins de compétences sont accrus. Le chef de l'État, l'ayant constaté, a mis en place cette école avec la coopération française.
mais aussi les compétences qu'il y a dans la République en termes de formateurs, les professeurs d'université pour les enseignements génériques ou des enseignements généraux, mais des enseignements spécifiques. Pour cette formation, les experts sont venus du Cameroun, sont venus de la France, et vous comprenez donc que c'est une volonté exprimée qui répond à une stratégie à long terme pour que les forces armées de la RDC répondent aux défis d'un grand pays au centre de l'Afrique. Et dans l'hymne que nous avons suivi tout à l'heure de l'OREA, ils ont mis cette dimension d'une république démocratique du Congo au devant de la scène en Afrique pour assurer la paix et la sécurité jusqu'à Bousséba. Entouré des officiers généraux, des officiers supérieurs, le président de la République a procédé à la remise des diplômes. Là, il est en train de poser pour la postérité avec les 25 lauréats qui ont été diplômés ici. Il s'agit de la toute première promotion de l'école des guerres de Kinshasa. Elle avait été ouverte le 5 janvier de cette année et s'ouvrait en même temps l'année académique qui a vu ces 25 officiers supérieurs, pour la plupart des lieutenants-colonels, mais aussi quelques majors formés ici à l'école des guerres de Kinshasa. Aujourd'hui, ils viennent donc de terminer leur formation et c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait ouvert cette école, qui avait lancé la première année académique, qui vient clôturer aujourd'hui. Et donc, le voilà, le président de la République au centre, entouré du conseil spécial, de son conseil spécial en matière de sécurité, qui est le parrain de cette promotion, ce Pujola, l'ambassadeur de France qui est là également. Et puis à l'autre extrême, on voit le ministre de la Défense entouré de tous ses officiers ici au groupement des écoles supérieures militaires dans la commune d'Engalema, quartier Binza, aux zones. Une cérémonie haute en couleur, comme cela avait été le cas au mois de janvier lorsque l'on découvrait justement cette école de guerre de Kinshasa, une école d'élite, une école de formation de l'élite militaire qui répond aux standards des écoles, de standards international d'écoles militaires. On a vu des formateurs venus de France, d'autres encore du Cameroun, pour cette cérémonie qui procède de la volonté ferme du président de la République de pouvoir faire monter en puissance les FRDC, de pouvoir renforcer leur capacité opérationnelle afin de pouvoir donner des résultats qu'on attend d'eux. C'est une formation qui arrive au point nommé lorsque deux de 26 provinces sont sous administration militaire parce que sous état de siège. Une formation qui arrive également au moment où la République a besoin justement d'élites militaires formées dans le management de l'armée, dans la planification, dans la matérialisation de stratégie militaire. Et nous pensons que les 25 lauréats ne vont pas tarder à être affectés justement pour faire montre de tout leur savoir-faire qu'ils viennent d'acquérir ici après 7 mois de formation au groupement des écoles supérieures militaires. L'école de guerre de Kinshasa qui vient s'ajouter à toutes ces institutions spécialement dédiées aux militaires. Il y a d'abord l'Académie militaire de Kananga qui est l'ex-EFO, un fleuron en matière de formation de l'élite militaire. Il y a l'EFO Kananga, il y a également le CHES, le collège de hautes études stratégiques militaires qui est sur l'avenue des forces armées, l'avenue au commandement. Et puis il y a maintenant l'école de guerre de Kinshasa qui vient de mettre à la disposition de l'état-major général des FARDC ses tout premier diplômé d'études supérieures militaires. Il faudra qu'on s'habitue à ça. On a entendu parler de brevetés d'état-major, on entend beaucoup de formations, mais pour ceux-ci on parlera de brevetés d'école supérieure militaire de l'école de guerre de Kinshasa. En ce moment, tout le gradé de l'armée présent ici aux côtés du président de la République sont en train de prendre leurs photos avec l'ensemble de 25 lauréats qui sont venus. On le rappelle, 21 unités venues
de la force terrestre, un est venu de la force navale, un de la police nationale congolaise, un des forces aériennes et puis un du corps de protection des parcs. Voilà ce qui constitue la catégorie de ces 25 officiers supérieurs diplômés d'études supérieures à l'école de guerre de Kinshasa. Merci donc, Giscard Kossema, pour toutes ces informations sur cette formation qui vient de se terminer pour 25 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Les lauréats ont reçu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les brevets de fin de leur formation. Ils vont tout de suite, j'imagine, être affectés à des postes de responsabilité où on a plus besoin de leur expertise. L'expertise qui est donc incontestable. Vous avez vu qu'ici, parmi ceux qui ont suivi cette formation, il y a des spécificités et certains ont brillé dans une discipline ou une autre. Et selon ces spécificités, ils vont être affectés pour servir au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et donner les résultats qu'il faut. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fini de poser pour la postérité avec ses généraux, ses officiers supérieur, mais aussi avec ses lauréats. Il est en train de prendre congé de l'assistance ici présente. Le chef de l'État est en train de repartir parce qu'il a fini ce qu'il devait faire cet avant-midi, qui a pris jusque cet après-midi, en début d'après-midi certainement. Il va aller et laisser quelques écrits dans le livre d'or de cette école de guerre de Kinshasa. C'est la première promotion. La cérémonie est donc en train de se clôturer avec ce départ du président de la République. Car donc, amis téléspectateurs, vous avez suivi depuis le début, depuis 11h cet avant-midi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ici et pour que cette session revête toute sa solennité, en tout cas la fin de cette formation revête toute sa solennité et que ceux qui sont formés, les lauréats, prennent la mesure des attentes de la République de terminer la guerre et toutes les velléités de déstabilisation qui tourmentent la République démocratique du Congo. Il ne va rester plus que ces quelques ovations, si vous pouvez les entendre, c'est en tout cas les ovations des populations environnantes qui ont accouru dès lors qu'ils ont reçu l'information que le président de la République était en train de repartir. Il était ici, ils sont venus pour le saluer et en geste de main, il a même salué cette population. Il ne me reste plus à vous dire merci pour toute cette disponibilité que vous avez accordée à la télévision nationale, les informations et les événements que vous pouvez suivre nulle part ailleurs, sinon à la télévision nationale qui se déploie, dont le personnel c'est donne corps et âme pour vous faire vivre dans le moindre détail ce qui se passe ici, comme partout ailleurs où le président de la République se déplace pour les besoins de la République. Mami Mambouni, quelques mots à Lingala pour exprimer à nos nombreux téléspectateurs, nos locuteurs de la langue Lingala, ce qui se passe en ces lieux. Yassou, Matemoni Edith Chala, nous sommes comme la Souka, nous sommes comme la Témokamboko, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est ici, qui a été à ma boko, on a beaucoup à l'Okomo. Awa, ma. Commune d'engagement du président de la place et ce qui a été bien du centre supérieur militaire pour nous tenir officier tout comme il y a un temps dans le bimba, il y a un peu de matière, il y a un sens en mambé, quand il a été élevé, il y a un peu de mambé, il y a un peu de et bien, il y a un peu de mambé, il y a un peu de mambé, il y a une force terrestre, il y a une force aérienne, une force navale, une la police, il y a un Congo démocratique, il y a un moko na maida kutala kamingi kutenda ba park national ebele professeur yambe ee ba batisi yango na kombo ya docteur Etienne Tshisekedi ya Mulumba na bokanisiye lelenge azalaki mokambi ya enda esika iyebendaka kubenga makala enda mokambi ezalaka bongo docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba tanatina promose ee yambe ba batisi yango na kombo ee wana mbona yuti mingi penza na bobemba ni kati ya République démocratique ya Congo mpe ekolo France ya ule kombo kambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi
côté de Tchulombo, à Saraka Mubembo, au Souka Mboula, à Mabouko Tei, Balé, dans la zone de Mouboua, Kouna Bakouta, qui n'a pas eu l'école de France, Emmanuel Macron, ou à Pépa, il y a eu l'école de France, Bakouya, Koupé, Samate, à Mampinga, ma soldat, au Congo démocratique, et Bongo, Balendi, Simpe, bah, officier, bah, Balendi, Maté, à Mama, Batiango, au Katiama, Bengate, Kassibango, Bakouya, Bakoussa, Bango, nakupesa matea mingi na basoda ya kolo abiso ya lingi mkote na mapurusu po ya botambo nizibu ntepe na hini mabango po ya mambi matani nisani na basoda ya kolo Kongo demokratike pa esusu ntema wa ekolo France au kati kolo abiso ya polo kola alendisi mampinga maba ofisie ba ubalandibu ngo matea maimana po ya talisi ya teyango ezali penza bonde kompe bolemba niya solo solo ezali kuhuta kati ya kolo Kongo demokratike po ya kolo France ya bongo batoba mawele ba utaki ya kola ekolo Cameroun pour que le France a beaucoup qui peut avoir été le Congo démocratique, qui peut avoir été le Péamana, Pézi Soussou, Batoba Maïle, Tepeba professeur de la République démocratique du Congo, Bangopolokola, Mazona Kikatna, Esika, il peut avoir été le Bongo, Matéa Maïwana. Et ça, le site de la seule République démocratique du Congo, le Bongo Mokambeko, le Félix Antoine Tseke du Tchulombo, a l'ingé de Mampinga, Mabasoda, Babisso, Bazala Penza, Mampinga, Maïbazalina, Bopikiliki, pour la Kotala, Kotala, la Mosala, Mampinga, Kati, la République démocratique du Congo, Kotem de la Zébi, Kobate, la Ozanine, de la mabele ko ko demokratiki le ko la batempe e bloko bia bango manso masala ni simple ya botembo lizibi pe mayele mama mpinga mabasoda ma republique demokratiki ya Kongo pe batulusu ya ekolo Kongo demokratiki manso masala ni awa au centre supérieur militaire au commune Yangalema où ta sanza sambolo bimba bayi ba officier ba lekisa ki bongo ntango ya bango pe na tombo li susu zebi pe na ili mabango mpo ya mambi matali bo tombo li misala na mapinga ma republika demokratike ya Kongo mingi li uti kulanda te sasa upi mokambeko yo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo wakeyi po ya kotia njongoloko pepe njongoloko pepe na mokambe alokomu pepe livre d'or awa okati ya centre supérieur militaire mingi nande wa jamaki Oesika, mbakisa mokambi ya Sena Modeste Bati Lukwebo, mbakisa mpe mbakambi ya Mampinga ya Republik Demokratiki ya Kongo, mpe disusu bantoma, babiko baba paya, baba ya kosala mosala mabuntoma, Republik Demokratiki ya Kongo. Ya solo ba soda tope ba ofisi ba na ba jume ba non tope ma polo miya de kumo o talisi ete na sanza sambo o bango ba lekisi zala ki pamba pe kasi ba lekisa ki amba uyango po ya botombo li zibi tope ma yele na tina na kokamba musama bango ma mampinga ma ba soda o mabube ma republika demokratike ya Kongo ese o mabube ba ma bakambi tope miyesko kuyongi le kamambi ma ba soda pe ba ansia kombata yepe nsusu azwa ki maloba wakati ya maloba maye a pese ki okumu na mampinga tupe na bafisi ba balandi na pia mabango na yobi saki ete ya solo na pia mabango balandi ezali penza na motu ya monene wakati ya Republik Demokratiki ya Kongo uleko eyo mokambi okolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete mampinga mabiso malenda penza na mingi eko mampinga mabiso maza na basoda ya mpiko mpe ba ibazoni na bepilikiliki ya wukengi vindero ya mabele ekolo yoko na batampe bileko bia bango na yango alendi saki bango ete maso bango balandi efanda okati ya mabenga topo ya batirwa ya bango ya mosala tekasi bango pote kola ba kupesa matea mana na mampinga mabasoda ndengi na ndengi iezoni o mabele na ekolo Kongo Demokratiki ya mpote bango pe disusu ba tombo la zebi topo maile mabango Mbosa ya mostala mabobateli ndeli ya mabele ya kolo Kongo Demokratiki ya bobateli bato lukuna te mboko bia bango. Edi Chala, nazongi si maloba ombukai. Merci Mami Mambouini. On attend donc les images de Jiresse Nkelani qui a suivi le président de la République là où il se trouve pour la signature de ce livre d'or. Ce sera le premier souhait sur ce livre d'or qui va consacrer la fin de cette cérémonie. C'était donc ainsi énoncé dans le programme. Le président de la République, il va donc, c'est pour montrer l'attachement et la volonté qu'il anime en ce qui est de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo en moyens logistiques, mais aussi en moyens humains, ressources humaines compétentes et capables de répondre en cas de besoin à chaque sollicitation des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez donc suivi quand ces officiers ont été formés, ils ont
reçu les enseignements de différentes filières. Les enseignements généraux ont été donnés, mais aussi les enseignements spécifiques sur leur domaine militaire ont été donnés. Parmi eux, il y a ceux qui ont brillé, qui ont excellé dans un domaine ou un autre. Et selon ses spécificités, chacun va occuper une fonction dans l'armée nationale pour apporter l'expertise, apporter les compétences qu'il faut pour que l'armée soit au maximum de ses rendements, ainsi dissuader toutes les forces négatives qui tenteraient d'une manière ou d'une autre de déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais aussi vu sur les plans géostratégiques, la République démocratique du Congo a beaucoup de responsabilités et doit être consciente des envies des uns et des autres de la déstabiliser et ainsi profiter de cette somnolence quelque peu entretenue par ces forces négatives qui écument la République, nous l'avons dit tout au long de notre intervention, et pour que notre République soit informée de toutes ces velléités des forces négatives, mais aussi des puissances régionales ou internationales qui tenteraient de garder la République démocratique du Congo au bas de l'échelle et ainsi profiter de ses potentiels. Il faudrait donc que l'armée soit en mesure de percevoir ces dangers, percevoir ces défis, mais aussi anticiper sur quelques appréhensions des uns et des autres qui tenteraient de déstabiliser la République démocratique du Congo. Une armée capable de comprendre les enjeux géostratégiques et comprendre la nécessité d'agir à l'interne pour renvoyer une image positive, une image de grande capacité pouvant répondre à toute sollicitation, comme je le disais tantôt, et neutraliser l'ennemi d'où qu'il vienne. C'est dans cet ensemble que s'inscrit la stratégie de la République démocratique du Congo avec les écoles de formation militaire qui s'étalent désormais sur quatre niveaux. Le premier niveau, c'est l'Académie militaire ex-EFO, Kananga. Le deuxième niveau, c'est l'école des commandements et d'état-major. Le troisième, c'est celui-ci qui vient donc de mettre sur le marché ou de remettre à l'armée son premier produit. C'est l'école des guerres de Kinshasa. Et ensuite, il y a le collège des hautes études stratégiques sur l'avenue commandement. Voilà donc une armée équipée en termes d'intelligence, en termes de sagesse, en termes de pertinence, mais aussi en termes de stratégie et de planification. Et cela est la force de toute armée structurée et toute armée de grande capacité. C'est l'Oréa qui vient de sortir de cette première session. On bénéficiait des capacités, on bénéficiait des enseignements, des stratégies, de planification. C'est là. Et même quelques exercices pratiques parce qu'ils se sont rendus entre la dernière semaine du mois de juin et le début du mois de juillet pour à Goma précisément, pour être en contact avec les réalités et imaginer déjà quel est le niveau de responsabilité qui est la leur. Donner des solutions aux différentes difficultés, mais surtout aux problèmes que rencontrent les forces armées de la République démocratique du Congo. On attend donc que ces images nous parviennent, celles du président de la République, qui est en ce moment en train certainement de s'apprêter à signer le livre d'or de l'école des guerres de Kinshasa pour sa première promotion, une école qui a été ouverte en janvier dernier, le 5 janvier, et qui en 7 mois a réussi à mettre sur le marché ou à remettre à l'armée nationale congolaise ses premiers produits dont on va éprouver l'efficacité et la capacité au feu de l'action, parce que maintenant ils seront affectés selon leurs unités respectives, selon qu'ils sont des forces terrestres, qu'ils sont des forces aériennes, qu'ils sont des
la force navale, tout ça, on va le suivre. Le conseil spécial en matière de sécurité du président de la République, qui est le parrain de cette promotion, a effectivement expliqué la discipline qui doit caractériser ces éléments qui viennent de sortir de la formation, mais les valeurs qui doivent les accompagner pour qu'ils soient des modèles, comme ils sont les précurseurs, comme ils sont les premiers à sortir de cette école. Beaucoup d'autres viendront et pourront étoffer cette armée nationale qui doit effectivement avoir des hommes en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité, des hommes compétents et efficaces pour qu'aucune autre armée dans la région, mais pour que qu'aucune autre force négative, qu'aucun groupe armé ne puisse imaginer qu'elle peut s'installer durablement en République démocratique du Congo et commettre des bévues comme il y a à quelques années. Cela se prouve, la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est donc un processus qui est engagé et qui va au fil des ans démontrer qu'on avait besoin des spécialités, on avait besoin des capacités, on avait besoin du nombre, de la quantité, mais aussi de la qualité pour que les forces armées répondent aux défis de la dimension de notre pays Godé Kabundi. Wito edi chalakatala ngamono batu feshi binji dimbibi kesi bia mwanda kudi jires kelani kadi mwanda tususu tukesa babuni parima kwa kala be lakanangana meji be beshe buwase nchi nchi chipita kanangana mbako nujari kile buwase kumpala kwa tete kupinga ja antenne kuchondo wa mbisha balala tutu nujari kile buwase kana buwase mfumo wadi tuunga Felix Antoine tisekeri chilo mtombolo kala dipa dimbolo mchino mwavuwa mbuka boy uchidumui kala na mwasantra superior militer mubilo mjidumui kala mbwela bakubona mushindu okutobya la pemikandi jileje bwase formation eu wa école de guerre wa munu makojika ni mbwa musango kumpala udibalonya ba bamuno mushindu wakupeta mikanda yabu ya njikijilo bikala balonga mishindu mishirishilangana ni bako abumena bwakubona mushindu wakwenza ma exercice abu anyi byakuji bijije bwakumanya ni chinchi chikalo chipitakanangana bako abobva eto nkuluseka lwa est wadi tunga ya Congo démocratique bako abubikala no apa kuvubalonga shiba mishindu tono mbatu la stubu tuku tutumbuka twabifulu bya masanga bavubika la bomuna mushindo kufika bakumona makuba pesha malongesha malonga makana ni majala mno bashaka bwase kumpala muno mudi tungira Congo démocratique bavuba manyano chilongelo chinena chivo chikala chisanganyibwa kuluseka lwa kananga malanjwa nshinga mu Kasai Central mu efo uvabika la koko balongesha bakumanya bwase bantu bari mwakuye kumpala mu mijimu ndi mikali tangila busalayi ni karipinde pato twakula hapa kuri tulasi tukwa bwa biji turutika tusanganye bwa mu au commandement munu muchimenga cha Kinshasa ni mu centre supérieur militaire ba kumbashi kabiji école de guerre momo mbwalo ditu ya Congo démocratique njimu na kasuba ntatuni makenga ijibika la bamuna kudibere matunga makwabu anyi kujiba kwa bu bantu mboji baribika la bajinga no bwase bamuna mwakuto ela mvita kuchikondo mchikondo chonsu kibolo kai mwimpo kumona Felix Antoine Tshisekedi Chilombo waji mshindo wa kwenza bwase ditunga ya Congo démocratique ya nimakukala ni muluta tu mchikondo mchikondo chonsu nashi biribi kengela kumona mwakufete ku balonyi bashijimuna bari mwakwekala jibu jibwalu butu kwata bubu kumpasu ya kumpala kwa musafi bari mwakujanja kuya bakumona ni biribi kengela kufile lunge nyini mishindu mishirishilangana ya kwenza bwase bamuna mwakujikija mvitai ku mushindu wa yonsu na ababia bari babuela wikala penda wa jakalengela na muna mwakupingana kuri mufuma kadiwa mwikala kaini jakalengela yeye na muna mushindu wa kushajila ni mwina mwabeo kibwalu kai bajini bwase bamuna mwakupesha bantu waba maluonga makana biu twajijila anyi bifumina kumuyuki mune na vubika la bezgru Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mfumu waditu ngadia Congo démocratique ni Emmanuel Macron waditu ngadia France wabayiki langa na bwase bidibi kengela jumfuwa ngana jimpi ni jishalama jishemeshi dia malanda jikala kukupanga chupaditu ngadia Congo démocratique ni jitu ngadia France kibualu kai bajin mwase ba nakuluseka lo France ba lobo kupeshe kumalongi shama kana ni majalama kuji ababalonyi bavububasungu la munkachi mwa ababosu bavububika la bangata bavubika
kala benda bumbusha ba kwa mbavu di kala ku ba muna bwana toka benda ba kumbana to ba njugu ya ba yuko kule shaka bjulunga ni ba luku shala amuni makumi ya bini batano makumi ya bini batano haba mobilu ilubishiri shilangana bia ndeka ya mulu bia matu hapa mai haba bia balilubi hapa mai haba baribikala ba tangila bia panshi bia mwishi ba buwele tolu mometu bonsu habu mbangata bakuwabu toba sungula wakumu na mshindu wa kwenza buwase bapeta mamanya majalama ni mamanya makumbana ajakengela buwase bamuna mwakwikala bapandisha ditungere ya Kongo Demokratik kumianda mibi yakala ilu na akuna wajumwene nise bafubikala bakula kuji ambasador mulofu muteiji suwa ditungere ya France wakuchi wedi kalumbanji kamanzante ntikulibana baditungere ya Kongo Demokratik kalumbanji kudi mfumo wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoni bukalenga buenda bonso babwalu bwa mbanyi shibu wa malanda makana ni mimpa ikala pangati wadi tunga da Congo Democratique ni ditunga da France wamuni se balu kwa kula kabiji kuji chef d'état major yeya wafidi bwa se ndunge nyi lukole luvobi kala bakiba wakari kwenze bidi mbifita bonyi wani bintu bia mushindu yewu anyi bilo ngele bia nunku bidi bikengele bikala bia bonyi munda mwari tunga da Congo Democratique balu kwa kula kuji ujumu ikala utangila miande ya bukubi wa mfumu waditunga mumuyuki wambuji wedi kalumbanji wambi bwase balonyi bonsu wabafumu kujikishabu bidibi kengela bikala balonyi bansongu bikala balonyi badibakumbana wakusungile ditunga ya Kongo Demokratik kaba ibalonda muntu kampanda kaba ibalonda muntu kansangu mibikala kwa kwanu bwase mfumu waditunga mfumu wa majinda mfumu wa bampurushi baditunga ya Kongo Demokratik yeya kuju wabilulu byonsu bilibi kengela kumukuba ni kukuba ditunga ya Kongo Demokratik kukuba ni bana ba mujina ditunga eji nanku wabu mfuji kabidisye muntu yonsu mwabonsu ikala wabamuteka kama nyese nikala wenza mujimu sonasha mbula matadi waditunga ya Kongo Demokratik balomboji nibikala mesu anumwabu ujimu ikala usanganyi bwao mwachini bwa kumanyani bijiwe inza mwabeu mbi mpanyi mbibi bijiwe inza mwabeu ujuu londe meyi ni mikandu bifubika lebi mufesha ujuu londe byonsu bifu imuikala mulonga mukala asaka kariba bikila ni ekol de guerre ujuu bilonda anyi eshkenu bilonda bwalu mbapeta mibelu mbapeta miyanda mishiri shilangana njimanya jia mishindu ni mishindu yonsu tone aba bari mwakwikala bakula kubikorukoru ni bari mwakwikala bakula kubuntatanda benze mijimu kubuntatanda byonsu bidibikala bilonga mutulasemu mbwakushadika bwase byonsu bikala mchia kwenza mwaba wonsu wikala mulonyi yonsu ewo mbatu kumaku miyabijini batanu mwaba wonsu wikala mchia kwikala basanga nyibwa wikala baba tumubwa mujimu bikala bama nyase bajidisu ya mbula mataji badibenza mujimu bwa mbula mataji badibenza mujimu bwa kusungira ditungu ya Kongo Demokratik kabene benza mujimu wa kwikala nifanyi na pamuntu kulonda muntu nash mujimu wa bungwase bana baditungu ya Kongo Demokratik benda mwabubumu wakatomba kabika janu benda ni miyaji kumesu banyema kanangana bumbuka mwe musoku baya mwe musoku bumu jibana betu bakulu sekalo wa esa waditungu ya Kongo Demokratik bajibubu wa chabu ila bantu bena moyi mubi bena buenzavi baba topantenda butu kuni munya bako wabubine baba kwa samitu na kumwanda wanungu kawene kukuto kibualu kai bimana kukala bisama mfumu waditunga kumoyi wajinge bwase tukeba kulunga nyimimp lunga nyilukumbana lunga nyilumwa kwenza bwase nyande ya mushindwe u ishika na ishika dika nyimishika kaji ishala kumikesa menemenena idibantu bako wabumena kaba yuma kuteka mena kumichima yabuni kudibualu bupitakana kumusege kunash kibualu kai wabalu ambi bonsu benze mijimu ya mjubi kengejibwa chukundu chivualu kumpala nibasungula bantu bako wabu bima nyi baji kwa chishi chikolukolu chivuchikala chikumbana wakumuna makwensi kwa poko wa mjimi kwa shala kwa mjimi na walu buwase tuwama nikufika kundekelu kwa bionsu bitu jinabi. Merci Godi Kabundi, merci à Manu Mambouini pour toutes ces informations en langue nationale, en Tshuluba et en Lingala. Vous avez suivi dans le moindre détail toute cette cérémonie depuis le début. C'était donc la clôture de la session, la première de l'école de guerre de Kinshasa. Nous, la radio-télévision nationale congolaise, nous serons toujours là pour vous faire vivre tous les grands événements qui ont lieu en République démocratique du Congo, surtout quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, se déplace, la radio-télévision nationale congolaise se déplacera toujours avec lui pour vous faire vivre ce qu'il est en train de faire. En ce qui nous concerne, il ne reste plus qu'à vous dire merci pour nous avoir suivis et vous fixez rendez-vous très très prochainement, mais en tout cas vous demandez de rester en contact avec la radio-télévision nationale congolaise parce qu'en ce moment Midi Actualité, les journalistes de la rédaction française que Blaise Bokoukia dirige désormais Demain des Maîtres se préparent à vous présenter le journal de la mi-journée.
Monsieur le Président, les enfants de Béni ont passé 8 jours et nuits, prière que leurs rêves soient une réalité.